Pendant 11 ans, elle a incarné une femme d'honneur sur notre petit écran, portant haute les couleurs de la gendarmerie et les valeurs qui lui sont associées. Après avoir remisé l'uniforme au placard, elle poursuit son métier d'actrice, mais aussi de productrice, et s'offre des rôles plus variés, voire inattendus. Aujourd'hui, ce n'est pas un rôle qu'elle est venue jouer dans VIP. Nous allons la découvrir telle qu'elle est, actrice, bien sûr, mais aussi femme de cœur et de caractère. Corinne Touzet, bonjour. Bonjour. J'ai tenu à préciser actrice, mais aussi productrice, parce que dans votre nouvelle vie d'après une femme d'honneur, c'est une part importante de votre actualité. Alors, je suis obligée de vous reprendre, mais tout va bien, je suis là pour ça. C'est-à-dire que je suis devenue productrice pendant. C'était pendant. C'est-à-dire que j'ai démarré il y a 9 ans, hein, donc c'est pas tout récent. J'ai fait cette démarche justement grâce au succès de la femme d'honneur qui m'avait rendue très populaire. Et je pense que je ne serais jamais devenue productrice sans avoir eu la chance de rencontrer cette série. Parce que je n'aurais pas osé le faire. Ça vous a donné une assurance. Cette popularité vous a donné de l'assurance. Ça m'a donné le courage de franchir le pas. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui doute de tout, de moi en particulier. Et le succès immense qu'a connu cette série et qu'elle connaît encore, parce que j'arrête en pleine gloire. Je viens juste d'arrêter, puisqu'on a fini de tourner en juillet et que les films ne sont pas encore sortis. Donc, pour les spectateurs qui nous regardent, la série n'est pas encore terminée. Il y a encore 3 épisodes inédits, puis 2 ans de rediffusion derrière. Donc, c'est un faux départ, hein, puisque quand on est acteur récurrent, finalement, on ne part jamais vraiment. J'ai eu cette force-là justement parce que les gens me portaient. Et quand on est tous les mois à la télévision, vous devez le savoir, on est porté et on se sent... On prend un petit peu confiance en soi. Voilà. Je dis un petit peu parce que je ne suis toujours pas au top à ce niveau-là. Et est-ce que l'immense popularité d'une femme d'honneur vous apportait bien sûr une reconnaissance, mais aussi quelque part de l'amour aussi? De l'amour, oui, j'en reçois tous les jours, oui, du public, oui. Oui, vraiment. Et ça vous touche particulièrement ? Beaucoup. Et ça m'a aidée à 2-3 reprises, oui. Oui, oui. Les gens sont très attachés à nous, parce qu'on rentre chez eux, vous le savez, et notamment en prime time, parce qu'on est vraiment là, au milieu de leur salon ou de leur cuisine, et c'est toujours... Assez terrible et assez étonnant pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas habitués quand ils nous voient. Quand je suis entourée de personnes qui n'ont pas l'habitude et qu'on va se promener ou qu'on va au supermarché, parce que je fais toujours mes courses moi-même. Comment vous faites vos courses ? Voilà. Contrairement à Cécilia. C'est vrai qu'au début, ce qui est difficile, c'est de quand les gens vous touchent, parce qu'ils vous touchent, vous leur appartenez. Mmh. Vous leur appartenez. Donc, c'est Corinne, comment ça va? Viens, je te présente ma mère, ma sœur. Tutoiement immédiat, grosse tape sur l'épaule. Voilà, ouais. Là, c'est juste un tout petit peu dur. Mais en fait, finalement, c'est que de l'amour. Voilà, c'est que ça. C'est que vous nous faites du bien, vous nous aidez. Merci, continuez, voilà. Donc, et c'est pour ça que finalement, j'arrête pas de dire, parce qu'il y a 2-3 personnes qui réagissent mal au fait que j'arrête et qui m'ont écrit, mais le fait que je fasse du théâtre et que je parte en tournée, c'est une façon d'aller vers eux, vraiment, parce que là je vais vraiment en province pendant 3 mois. Donc Alors parlons-en de cette pièce de théâtre, on reviendra au lieutenant Isabelle Florent un petit peu plus tard. Vous partez avec une pièce qui s'appelle Mobilhome à partir de janvier 2008, est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu de quoi ça parle, et puis ensuite... Pourquoi cet attrait vers le théâtre après 11 ans de petit écran? Il n'y a pas eu qu'une femme d'honneur, il y a plein d'autres. Moi j'estime qu'un acteur vient du théâtre, sinon, enfin je sais pas, pour moi c'est pas vraiment un acteur, donc je viens de là, je suis née là, je me suis construite comme ça, ça me manquait énormément. Je n'étais pas du tout prête à partir parce que ma fille était petite et j'avais vraiment envie d'être là. Elle est pré-ado là maintenant, donc c'est un petit peu plus facile. Et puis parce que cette pièce, elle est géniale. C'est ça raconte quoi, un ami qui l'a écrit, qui s'appelle Sylvain Rougerie, qui est acteur, qui est le fils de Jean. Qui écrit depuis 30 ans, Sylvain. Et qui heureusement d'ailleurs, c'est un ami parce qu'il me connaît vraiment bien.
Il m'a connue, je devais avoir 20 ans. Donc, il y a beaucoup de moi dans ce personnage. Donc, je le découvre là tous les jours parce qu'on est en pleine répète. Donc, je me dis, le salaud. Il y a des phrases, j'ai pas fait gaffe, mais il y a des phrases là qui me sautent. Le salaud, ça, c'est pas sympa. Donc, c'est très intéressant parce qu'on est dans une pièce atypique totale. Moi, je trouve qu'elle est très anglaise, cette pièce. C'est un peu... Moi, je parle souvent de Godot parce que ce que j'aime chez Beckett, c'est l'absurde. J'adore l'absurde. Et c'est une pièce absurde, Mobilhome ? C'est une comédie policière, mais avec des moments totalement Godot. Totalement Godot, quoi. Donc, moi, ça me fait hurler de rire. Après, je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas rire du tout et des gens qui vont adorer. Mais et le rôle que vous tenez dans cette comédie policière, c'est aussi... Moi, j'ai joué le rôle d'une aventurière. Ah, d'une aventurière. D'accord. Ah, vraiment, là, je pense que ça va étonner quelques personnes. Ouais. Et donc, vous partirez en tournée dans toute la France, donc on pourra venir vous voir sur scène. Il fallait peut-être que ce soit un ami qui vous convie sur scène. Je crois. Parce que peut-être que les professionnels ont un peu des préjugés. Ah, vous êtes catégorisé petit écran. Ils en ont plein, oui. Ah, ils en ont plein, oui, d'accord. Oui, oui. C'est-à-dire oui, on fait un métier comme ça. On fait un métier, tout est fermé, tout est compartimenté. Il y a les acteurs de théâtre, il y a les acteurs de télévision, il y a les acteurs de cinéma. Il y a même pire que ça, il y a les acteurs de série. Ça vient d'arriver là depuis 2-3 ans. On n'est plus des acteurs. On est des choses comme ça. Donc le fait que je sois devenue productrice m'a offert une liberté magnifique. Et une assise aussi peut-être dans le métier. Oui, parce qu'on me considère autrement, on me parle différemment, on me contacte maintenant, on m'envoie des romans, on m'envoie des projets, les metteurs en scène m'appellent alors que c'est moi qui leur courais après, donc ça c'est très drôle. Et puis ça m'a fait un bien fou, c'est-à-dire que je me sens exister. Moi j'étais pas faite pour être que comédienne, parce que j'ai beaucoup de personnalité, j'ai un caractère pas facile, et j'en avais un peu marre d'avoir l'impression en permanence d'être un objet. C'est-à-dire qu'un acteur, c'est une sorte de marionnette qui est suspendue à des fils. Donc on vous reprend, on vous repose. Vous voyez, on vous appelle, puis on vous range. Vous êtes un objet de désir. Soit vous suscitez chez un réalisateur le désir, ou un producteur, Mais alors ça, pour moi, c'est insupportable. Ouais. Voilà, c'est un truc que j'ai jamais réussi à gérer. La dépendance, ça vous plaît pas du tout. C'est insupportable. Alors d'arriver dans un bureau, de se dire on est 50, et est-ce qu'il va m'aimer ? Il faut que je fasse tout pour qu'il m'aime. Alors moi, je peux plus. Alors je pouvais le faire à 20 ans, mais non, je peux plus. Je peux plus. Donc je le faisais pas. Donc j'appelle personne, je sors jamais, je me montre pas. Donc je fais rien. Je faisais rien du tout pour que ça marche. Donc du coup, le fait que j'ai mes bureaux, que j'ai une société qui tourne, je travaille 15 heures par jour. J'initie beaucoup. Et ça m'apporte énormément. Je voudrais qu'on revienne un petit peu au lieutenant Isabelle Fleurant. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette femme-là ? Peut-être sur vous, déjà ? Déjà, je pense que... C'est pas facile. Peut-être la chose la plus forte que ça m'ait amené à étudier ou à réfléchir, c'est que je n'étais pas du tout quelqu'un de fort, alors que je croyais l'être. C'est-à-dire que j'avais je suis une femme qui a l'air d'être sûre d'elle, qui tient droit. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, donc ça fait 30 ans que on me renvoie. Vous dégagez ça. En tout cas, vous le dégagez. Un truc, bien carré, tout ça. Alors, je suis quelqu'un d'hypersensible, d'hyper fragile, compliqué. Enfin bon, plein de questionnements et je suis en doute. Mais ça m'enrichit aussi. Bon, et militaire de carrière, c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir de... Donc au début, j'enfile cet uniforme et je me dis, je n'y arriverai jamais. Je me dis, je suis comme ça dans cet uniforme et je me dis, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir. Bon, alors le premier épisode, comme ça, et le premier épisode fait 12 300 000, c'est un truc de 53,6 de part de marché. Énorme. On n'en a fait qu'un, parce que c'était un pilote, on ne savait pas si ça allait marcher. Moi, j'arrivais, alors là, à TF1, j'arrivais, ça faisait 14 ans que j'étais dans le service public. Il me tombe un truc sur les épaules et je me dis, mon Dieu, je ne suis pas du tout faite pour ce personnage. Alors je disais ça à tout le monde. Et tout le monde, alors personne ne comprenait rien à ce qui se passait en moi. Et alors j'ai dû avancer. Je la fais courte parce que sinon il y en a pour 4 heures d'émission. Et j'ai avancé petit à petit avec elle. Et ça m'a aidé à trouver en moi cette force, cette autorité que j'avais naturellement. C'est-à-dire ce que les gens sentent. C'est quelque chose de naturel, mais ce n'était pas cérébral. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un truc, j'arrive quelque part, paf, 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 paf. Voilà. Je m'en rends compte en tant que productrice. Parce que je viens de vivre un tournage, un film extrêmement difficile,
avec un enfant, on en reparlera plus tard. Et j'ai eu un problème à un moment. Il a fallu que je fasse une réunion, il a fallu que je demande à tous les chefs de poste d'être là un soir. On avait vraiment trop d'emmerdements, ça commençait à me gonfler. Et là, je me suis dit, ça, il y a 10 ans, j'aurais jamais pu le faire. J'ai réuni tout le monde, j'ai parlé, ça s'est très bien passé, c'était calme, c'était bien, c'était posé, c'était réfléchi. Ça fait 27 ans que je fais ce métier, j'ai commencé très jeune. Du coup, je pense qu'elle m'a apporté ça. Ça n'empêche pas que je suis toujours aussi fragile, mais elle m'a aidée à avancer un petit peu plus droite comme ça. C'est un titre fort quand même, une femme d'honneur. Il y a cette notion un titre d'honneur. Il y a les autres valeurs peut-être véhiculées par la gendarmerie et par cette femme-là. Enfin, quelles sont les valeurs j'ai fortes? J'ai beaucoup appris moi avec les gendarmes. Hein. C'est-à-dire beaucoup. Ici, je peux en parler parce que je vais pas me faire charrier, parce que y a des chaînes où si je commence à parler de la gendarmerie, ça. Bon, c'est... Moi, je les respecte, ces gens. Ça fait 11 ans que je travaille. Tous les figurants de la femme d'honneur sont des gendarmes. Des vrais gendarmes. Voilà, des vrais. Donc, c'est le métier. Consigné, un contrat moral. Hein. Je pense que ça, il faut vraiment que les gens l'enregistrent, parce que c'est très important de signer un contrat moral. C'est très, très compliqué de mettre un uniforme quand on a 18 ans, je pense. C'est un vrai choix. Et je pense que... Ils savent ce qu'ils font quand ils le font, ces gamins. Donc moi, j'ai été autant proche de jeunes gendarmes appelés hein, ou de militaires de carrière. J'ai rencontré j'ai rencontré une femme major et qui est devenue générale là, cette année. Donc c'est la première. Moi, je n'ai rencontré que des gens avec un vrai code. Ce que j'appelle à moi mon code de valeur, le respect, etc. Je sais qu'on doit en reparler tout à l'heure. Je les ai trouvés, en règle générale, tous extrêmement bien élevés. Je les ai trouvés respectueux. Je les ai trouvés courageux, parce qu'on tourne... Je ne sais pas si vous connaissez un peu nos horaires en fiction, mais on fait 5h30 du matin... 22h. Pour tout vous dire, j'étais sur un de vos tournages il y a quelques années. C'est vrai ? Voilà. La production avait loué le château d'une amie et j'étais invitée pendant 2 jours sur le tournage. Sur Femme d'honneur ? En Bourgogne, oui, tout à fait. Ah, c'est au tout début, alors, quand on était du côté d'Auxerre. Oui, enfin, oui. Et voilà, donc on a vraiment des grosses journées. Donc, évidemment, en tant que femme, héroïne, j'arrive, mon maquillage, généralement, je suis la première. Oui. 5h30, 6h moins le quart. Quand vous passez 15 jours avec 25 bonhommes, à 6h moins le quart du matin, si moi je ne sais pas à qui j'ai affaire, personne ne saura qui ils sont. Mmh. Et j'ai fait des séries avec plein d'autres catégories de personnes, quel que soit le métier, je ne vais pas en dire plus maintenant, qui m'ont manqué de respect, qui pétaient les plombs à une certaine heure, avec qui d'un seul coup j'avais l'impression, là on basculait dans autre chose. Mais jamais avec les gendarmes. Jamais. Jamais. J'ai appris ça, en tout cas. Parce qu'avant de commencer cette série, je pense que je ne suis pas la seule, je ne savais pas que les gendarmes étaient militaires. Je ne savais pas. C'est vrai. Oui. Je ne savais pas. Donc, je n'ai pas honte de le dire, je l'ai appris, lors du premier épisode. Donc, je me suis retrouvée à l'école militaire, en train d'essayer des uniformes. Je peux vous dire que... Voilà. Ça doit faire rire les messieurs, là, en régie, je pense, et devant leur poste, parce que les messieurs qui font l'armée, enfin, les mecs qui font l'armée, ou qui faisaient, parce que je crois qu'on ne la fait plus maintenant. Non, depuis 10 ans, on ne la fait plus. Oui. Voilà, c'est... Je sais pas, j'ai beaucoup pensé à ça, en fait, pendant... Et vous, qui n'étiez a priori pas faite pour le rôle, vous savez pourquoi on vous a recruté pour ce rôle-là? Et visiblement, ils ne se sont pas trompés. Je ne vais pas avoir le temps de raconter ça, mais c'est dommage, parce que c'est une jolie histoire. Sentir des choses en vous, quand même. Non, pas du tout, mais pas du tout. Rien. Ça n'a aucun rapport. Par contre, il y a une personne qui était persuadée, et je lui dois d'avoir fait cette série, que je devais jouer ça, c'était Étienne Moujotte. C'est Étienne Moujotte qui a décidé que ce serait moi. Qui ont fait un petit coucou, alors. Oui, je lui ai déjà dit ça. Avant de terminer la partie sur votre métier, on a pu vous voir dans d'autres téléfilms développer quelque chose qu'on ne connaissait pas chez vous, c'est-à-dire un potentiel comique. Oui, mais ça c'est moi, c'est mon vrai moi. C'est votre vraie nature, ça. Et parce qu'on ne peut pas dire qu'Isabelle Florent était trop comique d'une manière générale. Bien que, j'ai rajouté quand même au fil des années quelques petites scénettes comme ça en filigrane. Parce qu'en plus, les partenaires avec qui je joue sont des amis de 20 ans. Donc il y en a 3 qui ont été amenés par moi au départ, il y a 11 ans, qui sont vraiment des très bons amis que je salue, que j'aime et que je continue à voir. Et non, c'est vrai, moi, je suis, dans la vie, je suis quelqu'un de rigolo, je déconne tout le temps, je fais aussi beaucoup, beaucoup.
beaucoup de bourdes, je suis quelqu'un de très maladroit. Donc, si vous voulez, ma famille proche, mes amis le savent. Voilà. Et les gens qui ne me connaissent pas s'imaginent que je suis quelqu'un d'assez raide comme ça. Bon, puis toute façon, comme je suis réservée en plateau ou quand je suis en soirée, comme je suis timide, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je vais... De tout de suite évident. Non. Mmh. Non, c'est vrai. Mais ce potentiel comique est là. Ah oui, vraiment. Mmh. Et puis non, mais c'est mon premier métier, c'est clown. Hein. Je voulais être clown. J'ai été clown pendant 3 ans et demi. Hein. Donc, j'ai fait de la rue, j'ai fait la manche, j'ai fait du cirque. C'est moi. Moi, faut pas me lâcher. Faut pas me lâcher dans un cirque. Vous seriez étonnés. Je prends de la place. Ah, peut-être justement. Oui. C'est ce qu'il faudrait faire. C'est intéressant, ça, devenir du clown. Moi, je connais pas bien ce milieu-là, mais je crois que chacun a son clown, doit trouver son propre clown. Il y a un vrai travail d'introspection. Ah oui, c'est une analyse, le clown. Le cirque, c'est une analyse. Hein. Je le dis avec beaucoup de respect aujourd'hui. J'en suis partie, mais j'ai un respect, mais immense, immense pour les clowns. Êtes quel genre de clown, vous, alors? Moi, j'étais une sorte d'Auguste désespéré. Mmh. Donc, j'étais vraiment Auguste, parce que l'Auguste, c'était tout à fait moi. C'est-à-dire que c'est catastrophe sur catastrophe. Moi, je suis quelqu'un qui rate les poignées de porte. Je suis quelqu'un qui glisse dans la rue sur les feuilles mortes. Je suis quelqu'un qui prend un verre et qui le lâche. Bon, donc, j'ai une sorte de Pierre Richard au féminin, comme ça. Et donc, je me suis servi de ça, si vous voulez. Bien sûr. Et après, mais j'étais jeune, hein, j'avais 17 ans, 16 ans même, tout Et je me suis servie de cette maladresse-là. Et après, comme j'étais très fragile quand j'ai fait ça, je l'ai rendu triste. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il lui arrivait une tuile, il s'asseyait par terre et il pleurait. Et je l'avais appelé bout de chou. Et je l'avais, après, comme je trouvais que c'était peut-être un petit peu niaiseux, je l'avais transformé en Tchoubou. Et je m'appelais Tchoubou, voilà. Et j'avais un pauvre costume avec un pauvre chapeau. Et à l'époque, j'avais les cheveux un peu à l'afro, comme ça. J'en parle avec amour, j'en parle avec... Avec tendresse. Tendresse, énormément. Mmh. Énormément. Énormément. Et je vais au cirque tout le temps. Je vais voir les plus grands comme les plus petits, parce que j'ai habité la campagne pendant 15 ans. Et je vais voir les petits cirques de village. Vous avez le papa, la maman, la petite fille qui fait des cerceaux. Oui. Et j'emmène ma fille qui n'en peut plus à chaque fois, en lui disant « Mais tu sais, c'est pas facile, il faut les respecter. » Tout ça. Oui, maman. Et Tchoubou, il pourrait éventuellement renaître à la vie? Non, il renaîtra jamais, parce que c'est un sacerdoce, le cirque. C'est quelque chose que je fais. C'est 8 heures par jour, c'est une religion. Et je la respecte trop. Là, on m'avait... Vous voyez, il projette de refaire un gala de l'Union, que je trouve être une idée magnifique. Mais vous ne le ferez pas. Et je ne le ferai pas. Mais c'est douloureux, hein, comme décision. Mais je ne le ferai pas. C'est peut-être salvateur aussi. Je ne sais pas. Vos parents étaient déjà artistes ou... Oh, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Mais vous avez réussi à imposer votre vocation quand même. Oh, ça s'est fait vraiment par hasard. Donc, en fait, ça n'était pas, si vous voulez, comme... Vous savez, il y a des enfants qui disent qu'ils n'en peuvent... qui crient au secours, un petit peu comme ça. Moi, ça s'est fait très, très tout petit à petit, comme ça. Je ne savais pas que j'allais faire ça. Vous auriez voulu faire quel métier, petite, alors? Comme toutes les petites filles, je voulais être vétérinaire. Ah non, je n'étais pas du tout... Ah non, vétérinaire. Oui. Tous les enfants... C'est vrai que vous aimez beaucoup les animaux, vous. Hein. Ah, c'est plus que aimer, oui, c'est toute ma vie, ça, oui. À ce point-là? Ah oui, je ne peux pas vivre sans... Je ne peux pas vivre sans eux. Et vous l'analysez comment, cet attachement aux animaux? C'est comme la même chose qu'avec les enfants. C'est principalement les chiens ou c'est... C'est tous les animaux. Je suis pas là pour en parler, mais je suis aussi porte-parole de la FIPA, l'Association française internationale de protection animale. Et j'ai fait beaucoup, là, depuis 5 ans, pour lutter contre l'utilisation de la fourrure de chat et de chien dans le commerce, parce que c'est quand même un fait réel. Hein, voilà, donc j'ai obtenu avec plein d'autres associations, bien sûr, dont la Fondation Brigitte Bardot. Je suis allée à Bruxelles, je suis allée au Parlement. Enfin, voilà, donc je me bats et puis je vis avec eux. Vous avez combien d'animaux chez vous? Moi, quand je suis en photo bébé, je suis assise dans le jardin, dans le sud-ouest, et il y a un gros berger bâtard, il y a un caniche, il y a deux... Enfin, mes parents aimaient les bêtes et j'ai grandi comme ça. Et chez moi, il y en a 3 là en ce moment. Et puis, des chiens? J'ai 2 chats et un chien. J'avais 3 chiens. Bon, il y en a 2 qui sont partis.
Et j'en aurai toujours. Puis mon rêve, c'est de finir comme ça. Moi, je veux finir dans une maison avec plein d'animaux. Et qu'est-ce que vous trouvez chez les animaux que vous ne trouvez pas chez l'humain? Est-ce que ça se passe d'ailleurs comme ça dans votre tête? Est-ce que c'est par un peu dépit de... Oh, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Comme Brigitte Bardot, c'est un peu ça. Puis j'ai pas envie du tout de penser comme ça. Je trouve ça assez triste. C'est complémentaire, donc. Mais c'est-à-dire, je trouve que ça, c'est une vision de l'esprit de gens méchants, vu de l'extérieur. Ce qu'on dit de Brigitte Bardot, c'est pareil, c'est méchant. Je pense que c'est... Elle en est plus là du tout, mais du tout, du tout, du tout. Je l'aime énormément, en dehors de... On ne parlera pas de son livre. L'être humain qui est là, je le respecte, vraiment. Et d'ailleurs, si nous, on est là aujourd'hui avec nos associations pour la protection animale, c'est grâce à elle, uniquement grâce à elle. Voilà. Et pourquoi je parle de ça? Parce que vous m'avez parlé des animaux. Oui, les animaux, pour moi, c'est la joie de vivre dans une maison. C'est le partage. C'est les enfants qui... vous savez que tous les psychologues, vous qui êtes maman, vous diront qu'un enfant qui naît dans une maison où il y a des animaux n'est pas le même que s'il naît dans une maison où il n'y en a pas. Dans son rapport aux autres, hein. C'est très important. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, je sais que vous ne voulez pas spécifiquement parler de votre enfance dans cette émission, où on en parle habituellement, donc c'est quelque chose qu'on respecte totalement, mais je voulais juste vous poser une question sur la notion de racine, d'enracinement. Est-ce que c'est une notion importante chez vous? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien qu'il m'en manque une partie, mais je suis attachée aux origines de ma famille. Donc, martiniquaise. Alors, voilà, vous êtes carteronne. Voilà, je suis carteronne par ma grand-mère, donc mon père est métisse. Mamie était donc martiniquaise, donc moi je suis carteronne. Et en même temps, maman est d'origine italienne et yougoslave. Donc j'ai un... Sacré mélange. Voilà, donc il y a ces trois. Et alors c'est étonnant parce que plus je vieillis, plus... Alors je suis très antillaise. Vraiment, puis alors je le découvre... C'est-à-dire, dans quoi? Parce que, alors, voilà, ça, vous me parlez de personnages comiques, voilà, c'était Valentine qu'on évoquait tout à l'heure. Bon, elle est forte en gueule, elle rigole tout le temps. Bon. Les Antillais, ils se marrent tout le temps. Ils se marrent tout le temps. Ils chantent, ils dansent, ils boivent, ils rient, voilà. Ils font la fête. Même quand ils enterrent leurs aïeux, ils font la fête. Quand on va à un enterrement, on boit, on danse jusqu'à 5h du matin. Et j'ai découvert très tard que les Slaves le font également, sont deux peuples. Parce que moi, je suis quand même un petit peu déchirée comme ça. Et finalement, pas du tout. Parce que les Yougoslaves, le père de ma fille est polonais, tout ça, c'est des gens qui dansent, qui chantent, qui ont un petit côté désespéré. Et finalement, je me dis, voilà d'où je viens. Voilà d'où je viens. Les Italiens aussi, ils ont un art assez consommé de la fête. Complètement, complètement, complètement. Donc finalement, tout s'explique. C'est drôle parce que la Martinique, vous l'avez découvert, vous aviez déjà 30 ans passé, tard quand même. Ah bah oui, oui. Revenir aux racines comme ça. Ah oui, oui, mais c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette, c'est génétiquement, tout est déjà écrit. Et je m'en suis aperçue, évidemment, lors de mon premier voyage aux Antilles, puisque je suis asthmatique et que normalement l'humidité m'est interdite. Donc il y a 100 et quelques % d'humidité dans l'air. Et je ne suis pas malade aux Antilles. Donc c'est quand même... voilà. Allô, docteur. Voilà, puis le fait d'avoir grandi dans le sud-ouest, je crois que vous êtes né à Orthez. On reste un peu au chaud, on reste quand même dans une ambiance assez... Océanique. Océanique, on va dire ça comme ça. J'étais partie sur quelque chose de plus festif, mais pourquoi pas. Quand on a préparé l'émission, vous m'aviez dit que la valeur que vraiment vous placiez au-dessus de toutes les autres, c'était le respect de l'autre. On en a déjà un petit peu parlé en évoquant. Ça revient tout le temps chez moi. La gendarmerie? Ah oui. non, c'est parce que je me suis aperçue en parlant tout à l'heure que j'en avais déjà parlé. Et parce que le respect de l'autre, pourquoi au-dessus de toutes les autres? Parce que d'abord, vous m'avez demandé de choisir. Bon, il y a beaucoup de valeurs qui sont importantes à mes yeux, mais je pense que celle-ci, c'est celle... Si je me pose en parent, en maman, c'est finalement celle que j'ai essayé le plus d'inculquer à ma fille et je pense que c'est important. Voilà, je pense que c'est une valeur qui s'est perdue. Je ne sais pas si... Parce que j'allais dire qui se perd et je ne veux pas aujourd'hui dire... je voudrais essayer d'avoir de l'espoir. Voilà. Donc, pendant des années, j'ai dit plus personne ne respecte personne. J'ai l'impression que les jeunes me font changer d'avis. Donc, redécouvrent ouais.
Oui. C'est intéressant, ça, comme discours, parce que souvent, on va dire, les jeunes, ils ne respectent plus rien, alors vous avez le discours inverse. Je pense qu'ils s'aperçoivent que... Enfin, j'ai le sentiment que nous, notre génération, on était vraiment entre deux, c'est-à-dire... je suis plus âgée que vous, mais moi, nos mamans, elles ont milité pour la libération de la femme. Nous, on s'est retrouvés coincés entre... le désir de nos mamans, est-ce qu'on a le même, j'en sais rien, peut-être pas. Et puis, les jeunes, là, y a une nouvelle génération qui arrive, pas celle de 25 ans, mais celle qui a 14, 15 ans, là. Et je trouve qu'ils se posent quand même vachement plus de questions que leurs grands frères et leurs grandes sœurs. Mmh. Et je trouve ça vachement bien. Alors, est-ce que c'est une réaction? C'est possible, hein? Parce que... nous, on est né après 60, enfin, on est devenu majeur après 68, et moi, 68 m'emmerde, et 68 heures m'emmerde. Vraiment, quoi. Donc, vous voyez, donc c'est peut-être par réaction. C'est peut-être par réaction. Je sais pas. La génération, celle des trentenaires, hein, ma génération, on nous appelle la bof génération, comme si après 68, on n'avait pas su trouver, alors que c'est une génération qui renie l'héritage de 68, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Beaucoup, hein. Oui, c'est ça. Et alors, votre respect de l'autre vous amène à être marraine d'une association qui s'appelle Un regard, un enfant, pour laquelle vous essayez de faire un maximum. On peut peut-être déjà expliquer quel est le combat de cette association. Oui, alors Un regard, un enfant, ça doit être ma quatrième année ou cinquième, je ne sais plus. Elle est présidée par Miguel Cruz, qui est d'origine espagnole, qui voyage beaucoup, qui fait des photos magnifiques et qui, au fil de ses voyages comme ça, était énormément, je pense, touchée par l'enfance malheureuse, défavorisée. On en voit quelques-unes de photos défilées qui sont en fait des cartes de vœux. Il y a une opération dont on va parler dans deux secondes. Voilà, donc c'est des photos que Miguel a faites. Moi, je suis tombée amoureuse d'un livre qu'il avait fait, que j'ai aidé à promouvoir il y a quelques années, dans lequel j'avais écrit un texte parmi d'autres personnalités. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, ça rejoint ce que je viens de dire, finalement, c'est intéressant, qu'on ne peut s'en sortir que par le savoir. C'est-à-dire que une des meilleures façons de lutter contre, par exemple, ce qui s'est passé dans les émeutes de banlieue, etc., au cours de l'année passée, c'est peut-être de faire en sorte que tous les enfants qui sont dans les rues puissent être scolarisés. Donc il y en a en France, mais il y en a partout ailleurs dans le monde. Je pense qu'apprendre à lire et à écrire à tous les enfants du monde, ça peut être un but magnifique dans la vie. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, on essaye. Donc, avec d'autres associations sur place, que ce soit en Bolivie, que ce soit en Birmanie, je sais qu'on travaille aussi avec le Cambodge, le Laos, sont des pays qui ont des enfants extrêmement malheureux, en souffrance comme ça, et qui travaillent. Dans certains pays, les enfants travaillent à 5, 6 ans, 7 ans, sont esclaves, sont engagés dans l'armée, sont prostitués au Brésil, etc. On ne va pas sauver le monde entier, mais on essaye en tous les cas de l'améliorer. Donc, effectivement, on envoie du matériel scolaire un peu partout. Effectivement, on cherche sans arrêt des fonds pour améliorer. Voilà. Donc, on a construit des écoles, on aide à construire des écoles ou à rénover des écoles. Donc, notamment, on en a fait deux en Bolivie, à 4000 mètres d'altitude. Bon, je sais que là, Miguel doit retourner en Birmanie avec du matériel. Ce sont des choses qui me donnent envie de me dire qu'on va peut-être petit à petit arriver à changer les choses. J'en ai assez d'entendre des gens dire sans arrêt c'est la merde, c'est foutu, c'est... Encore faut-il agir. Voilà. Alors, même si c'est une goutte d'eau dans la mer, je me dis, j'essaye un petit peu de... Et donc là, on lance... une opération, on a lancé déjà il y a un moment la vente directe à du cœur. C'est une opération qui, alors là, franchement, c'est un don du ciel. C'est l'AFVD, c'est la Fédération de la Vente Directe. Ça représente à peu près 300 000 personnes en France qui font des ventes à domicile. Mm-hmm. Et chaque personne, lorsqu'elle vend, j'ai amené ici des exemplaires, mais je pense que vous avez passé de ces cartes de vœux. Vous avez marqué meilleurs vœux. Ouais. Il y a des visages d'enfants de l'association au dos. Voilà. Mm-hmm. Alors non seulement vous achetez des cartes de vœux, mais en plus, vous faites un geste intelligent, pour une fois. Sachant que le but est d'obtenir un montant de 100 000 euros de dons, c'est un très bel objectif, j'espère que vous l'atteindrez. Alors l'année dernière, on a atteint 80 000 euros, ce qui est énorme. On peut espérer que ça passe la barre des 100 000. Les gens qui organisent ça, la FVD, ont été très très touchés par nos actions. C'est grâce à eux d'ailleurs que nous avons ouvert l'année dernière
le foyer d'hébergement au Maroc, au sud d'Agadir, et où je suis allée faire un documentaire que j'ai produit, que j'ai réalisé. Et c'est un foyer qui accueillait au départ, on a commencé avec 3 enfants, on en est à plus de 45. Ce sont des enfants qu'on va parrainer, à qui on va réapprendre la scolarité, puisqu'on on leur trouve des places à l'école, on leur apprend à lire, à écrire, on leur trouve un métier. Et on les relâche qu'à 16 ans. Oui, donc il y a vraiment un vrai suivi de l'enfant. Voilà, alors on ne les enlève pas, je tiens à vous rassurer, ce sont les juges qui nous placent ces enfants au centre. Mm. Le roi du Maroc a été extrêmement attentif à notre travail, à tel point qu'il va nous permettre d'en ouvrir un deuxième. Donc vous voyez, c'est une association qui est toute petite, mais qui fait beaucoup. Donc je suis très très fière de ça. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'association, on va donner l'adresse internet, unregardunenfant.org, éventuellement... Oui. Faire un don, et je tiens à signaler quand même, ça n'est pas anecdotique, qu'il va y avoir un tirage au sort permettant à 3 personnes de vous accompagner, vous, la marraine de l'association, au foyer au Maroc, et de voir un peu le travail qui est fait, sur place. Dont on est très fiers, parce que ce foyer, c'est un exemple. Véritablement. Les éducateurs qui sont sur place sont des gens exceptionnels. Mais on sent, c'est bien, parce qu'on sent que vous êtes vraiment impliqué dans l'association et que vous n'êtes pas juste une marraine, un peu comme ça, dont on sert de l'image médiatique pour... Vous êtes, ça y est, vous avez pris le taureau par les cornes. J'essaye, c'est pas toujours facile. Et on y va. Je travaille beaucoup, mais en tout cas, j'essaye. Oui. Ouais. Bon, en tout cas, vous êtes là. Je suis là. Aujourd'hui, pour en parler avec nous. Dans cette émission, on est quand même sur KTO. On parle de religion, un petit peu. Est-ce qu'on peut savoir dans quel contexte religieux vous avez déjà grandi et dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à la religion de manière générale? Oui, alors c'est un petit peu bizarre, mais c'est pas grave, j'assume. Dites-nous tout. Non, c'est pas, tout va bien, parce que c'est quelque chose... J'y ai beaucoup réfléchi, c'est quelque chose, j'y pense tout le temps, même, je dois dire, puisque j'ai été donc baptisée. Moi, j'ai beaucoup grandi avec ma grand-mère, qui était une grande, grande fervente et pratiquante catholique, puisqu'elle priait du matin au soir, et puis surtout parce que c'était, comme beaucoup d'Antillais, je pense que vous devez le savoir, les Antillais sont très, très croyants et très pratiquants. Et puis, en fait, mes parents, eux, ne pratiquaient pas du tout. Et mes parents m'ont eu très jeune, ils avaient 18 ans, donc c'était des enfants. Donc, la religion, ça leur passait au-dessus de la cafetière, parce qu'il fallait qu'ils arrivent à s'en sortir, il fallait qu'ils trouvent du boulot, il fallait qu'ils élèvent cet enfant. Donc, moi, je vois ça comme ça de ma fenêtre, bien que nous n'en ayons jamais parlé, en fait. Et puis... plus j'ai grandi, plus je me suis attachée à ma grand-mère. Et plus j'ai commencé à en parler avec elle. Et puis j'ai eu des coups durs. On a eu des coups durs dans la famille. Et bizarrement, je suis devenue croyante à la mort de mamie. Alors que ça aurait pu avoir l'effet inverse. Voilà. Ouais. Donc après, aux spectateurs de faire leur chemin. Hein. Moi, j'en suis là. Donc je crois à ma façon. Alors je sais que ça peut déranger les vrais pratiquant, et c'est comment, je crois à ma façon, c'est-à-dire que je prie à ma façon. Je vais à l'église que vraiment quand je passe devant, c'est-à-dire que je ne veux pas en faire un rituel. J'ai baptisé ma fille, elle va faire sa première communion. En même temps, son père est athée, donc c'est un petit peu compliqué à gérer. Je voudrais qu'elle fasse, qu'elle trouve sa voie toute seule, sans moi. Je ne l'oblige pas à prier, alors que normalement les parents doivent le faire. Je ne l'emmène pas à l'église. Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu à ma façon. Mais je crois, je prie, je parle à qui j'ai envie de parler. Et advienne que pourra, voilà. Alors vous avez un objet que vous nous avez amené, que je vais découvrir en même temps que les téléspectateurs. Mais je sais que c'est un rapport avec la religion. Bah, bien sûr, oui, parce que... Je commence à me douter de ce que ça peut être. Alors je l'ai toujours... Je vous jure que je l'ai toujours et je ne l'ai pas amené pour cette émission. Et si je ne l'ai pas, ça ne va pas bien du tout. Et en plus, j'ai peur quand je ne l'ai pas. Alors ça va loin. C'était le chapelet de mamie. Voilà. Alors il est totalement usé par ses mains, par ses doigts. Je ne sais pas si vous voyez comme le bois est usé. Complètement. Elle l'avait au lit. Il ne faut pas que je pleure. Je ne pleurerai pas. Et jusqu'au dernier moment. Elle a prié jusqu'au dernier moment. Et donc voilà. Et elle vous l'a
Elle vous l'a confié à vous ou c'est vous qui l'avez pris ? Non, elle ne m'a pas confié. Ce que je trouve très beau, c'est que c'est sa fille qui me l'a donné. Parce qu'il y avait plein d'autres objets, comme des bijoux, des choses, mais qui ne m'intéressaient pas du tout. Et ma tante Yvette, que j'aime profondément, me l'a remis un jour. Et depuis, je ne l'ai jamais quitté. Et pourtant, je ne suis pas très superstitieuse. Je ne suis pas... Ni fétichiste. Mais pas du tout. Vous savez, il y a des acteurs qui arrivent sur les plateaux, ils rentrent dans leur loge, ils placent les choses. Des gris-gris. C'est très important. J'ai rien. Gris-gris, ouais. Mais le chapelet, je l'ai toujours dans mon sac. Il sert ? Il sert, bien sûr, il sert. Oui, oui. Ouais. Oui, puis je prends beaucoup l'avion. Donc, je l'ai toujours avec moi dans l'avion parce que je suis très craintive. Voilà. Mais j'aime beaucoup parce qu'il est en buis. Un jour, vous le donnerez à... C'est Jeanne, hein, votre oui. fille. Vous le donnerez à Jeanne ? Oui. Oui ? Ah oui, je le sais. Oui, j'ai déjà pensé. Mais elle le sait déjà ? Je sais bon, pas en tout cas, si maintenant, elle le sait. Je sais pas si je lui ai dit. En tout cas, maintenant. Je sais pas. Pardonnez-moi, je t'ai elle un petit peu aimée. Non, elle est très belle. Elle est très, très belle, votre émotion. Et c'est facile de... Enfin, je sais pas si vous l'affirmez, d'ailleurs, dans le milieu dans lequel vous travaillez, que vous croyez en Dieu, etc. Oui, oui, j'en parle. Si vous en parlez. Oui, ah, oui, j'en quand parle même. Souvent. Oui, j'ai pas de problème. Même si c'est pas tout à fait clair. Mais... C'est bien reçu. Il y a beaucoup de gens dans mon métier qui croient. Beaucoup. Mm. Beaucoup. Alors, peut-être... Certains par superstition, justement, mais d'autres vraiment par conviction. Hein. Parce que souvent, les acteurs ont une recherche de transcendance qu'ils vont trouver notamment sur la scène ou au cinéma, avec quelque part, on essaie d'avoir plus de vie en une seule vie. Quoi. Et moi, j'ai déjà eu 10 vies, mais tous les acteurs, hein, on en a. C'est pour ça qu'on est tout le temps fatigué. Je ne sais pas pour les autres. Moi, je connais. J'ai des amis qui sont pratiquants, mais depuis très longtemps, bien plus longtemps que moi aussi, parce que peut-être ils ont été élevés eux dans la pratique de la religion très tôt. Moi, j'ai des amis qui sont allés à l'église toute leur enfance, tous les dimanches, et qui perpétuent et qui emmènent leurs enfants. Voilà. Donc on en parle souvent. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui croient sans croire. C'est-à-dire qui savent pas bien, mais qui croient en disant mon Dieu ou tout ça. Mais je pense qu'en fait ils croient pas vraiment. Moi je pense vraiment. Vous voyez, je peux le dire ici. Hein, c'est chose que j'ai jamais dite ailleurs. Donc vous allez être ravis. Mais ça, je vais faire peur à certaines personnes. C'est pas grave. Ma grand-mère et moi nous communiquons vraiment par la prière, par l'intermédiaire de oui, la prière. Vraiment. Mmh. Et je la sens près de moi. Très fort, très fort, très fort, très fort. C'est de l'amour, sûrement, beaucoup, 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 mm-hmm. beaucoup d'amour. On s'adorait, mais je sais qu'elle est là, véritablement. Et il y a des fois où je lui parle et je me dis que si on me voit dans ma voiture, on se parle. Et ah oui, c'est pas forcément à l'église ou dans un non, endroit, non, d'accord. Non, c'est à la maison souvent, c'est mm-hmm. à la maison souvent, mais ça peut être ailleurs. Et on se parle et je sais qu'elle m'entend et qu'elle m'écoute et qu'elle est là. J'en suis, mais... intimement convaincue. Alors, dans un autre secteur, il y a aussi une autre femme qui a beaucoup compté dans votre parcours, mais peut-être plus dans le parcours de comédienne cette fois-ci. C'est une actrice sublime qui s'appelle Rosemary Magdalena Alba Creti, autrement dit... Romy Schneider. Romy Schneider. Oh là là, oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Romy Schneider ? Tout. C'est d'abord l'actrice qui a fait que je me dise... que c'est un métier et que c'est un beau métier et que pourquoi ne pas... Enfin, au début, elle m'a fait rêver, déjà. Donc ça, c'est énorme. Elle a peut-être fait rêver toutes les petites filles, d'ailleurs. Oh, je pense. Mm. Oh oui, je pense. Je ne sais pas si ça continue, mais en tout cas, ma génération, oui. C'est quoi, c'est Sissi qui vous, ah, vous pas a rêvé les Romy? J'ai jamais aimé Sissi. D'accord. C'est César et Rosalie. Ah oui, très bien. Je suis restée collée. Je l'ai vue 10 ou 15 fois. Donc après, j'ai vu tous les sauter, évidemment, parce que je suis inconditionnelle de ce metteur en scène, inconditionnelle. C'est un homme qui avait compris cette femme à un point même bouleversant. Il y a tellement d'amour et de respect chez cet homme quand il la filmait que c'en est bouleversant. Cet homme l'a aimée d'un autre amour, mais l'a aimée. Et l'a filmée comme rarement elle a été filmée par d'autres metteurs en scène. Et dirigé par d'autres metteurs en scène. Et ce qui me... Alors, qu'elle soit belle, tout le monde le sait, elle l'est. Et elle l'a été même en étant malade, enfin malade, fragile, par tous les problèmes lourds qu'elle a dû gérer dans sa vie.
À partir du moment où elle a perdu son enfant, là, moi, j'ai été... c'est comme, je sais pas, c'est comme si c'était devenu une grande sœur. Pourtant, je ne l'ai jamais rencontrée. Elle en a même perdu deux d'enfants. Ouais. C'est en général le fils, on ne sait pas l'enfant d'avant, mais... Voilà, donc cette femme a souffert... Terriblement. De façon... voilà. Et c'était un personnage public. Et ce qu'elle a enduré, c'est quelque chose qui m'a énormément, énormément marquée. Et je me suis sentie aimante, je me suis sentie... solidaire de sa souffrance. Solidaire, proche, proche. Quand je la voyais parler à la télé, c'est comme si j'entendais ce qu'elle pensait. C'est quelque chose... Je sais pas, j'ai l'impression de la connaître. C'est prétentieux tout ce que je dis, mais c'est quelque chose... Je ne peux pas vous expliquer. C'est peut-être parce que je suis hypersensible, peut-être parce que je fais ce métier aussi un peu comme elle. C'est très étrange, quoi. Mais beaucoup de mystère, proche, chez cette femme. Oui. Beaucoup de mystère. D'ailleurs, on ne sait pas très bien comment elle est morte, hein. Suicide, pas suicide, mais même avant ça, c'était une femme quand même très mystérieuse. Je ne sais pas si c'est de la souffrance cachée ou du mystère, vous voyez. Mmh. Quand on est un personnage public, on ne peut pas tout dire, c'est impossible. On ne peut pas dire non, ce n'est pas pour ça que je pleure ou non, ce n'est pas pour ça que je suis en colère. Moi, plein de fois, je sais, dans des dîners en ville, comme on appelle, je défends les artistes dont on parle, la table, dans les dîners en ville, même si ce sont des gens... dont je me fous royalement, simplement parce que je veux juste à chaque fois dire, mais est-ce que vous connaissez cette personne, véritablement? Est-ce que vous savez de qui vous parlez? Est-ce que vous savez ce qu'il a en tête? Le but de cette émission, Visage inattendu de personnalité, oui. C'est venez découvrir Corinne Touzet, telle qu'elle est réellement, et non pas telle que vous pensez qu'elle est. C'est insupportable, oui, souvent, d'entendre ça. Donc, je ne sais pas si elle était mystérieuse. Ce que je sais, c'est qu'elle était hypersensible, généreuse. Tous les gens qui ont écrit sur elle ont dit... à quel point elle était généreuse. Elle avait besoin de donner, elle donnait beaucoup. Elle aimait les gens profondément. Et voilà. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que c'est l'actrice préférée de beaucoup d'actrices, comme j'en cite deux, trois, Ludivine Sagnier, Virginie Ledoyen, Isabelle Carré, Monica Bellucci, et même de Vladimir Poutine dans un tout autre style. Mais c'est, voilà, elle a marqué beaucoup de gens quand même. Ouais. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas très original, mais je revendique. C'est-à-dire que... Ses qualités d'actrice... C'est une immense comédienne. Vous ont aussi beaucoup appris sur votre métier. Oh là là, beaucoup. Mais je revois encore ces... Je re-regarde ces films. Je les ai tous vus et revus. Et est-ce que vous vous souvenez de L'importance, c'est d'aimer, de Zulawski? Ah, je ne l'ai pas vu, celui-là. Vous ne l'avez pas vu? Non, mon Dieu, au secours. Non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. C'est le plus beau. Enseignez-moi, c'est le plus beau film de Zulawski, déjà. Ouais. Déjà, enfin bon, je vais me faire tuer, mais c'est pas grave. Et il y a une scène dans ce film où je pense que si les gens qui l'ont rencontré seront d'accord avec moi, c'est la scène où elle est sûrement le plus à vif, le plus elle-même. Il y a Fabio Testi, qui est un acteur italien sublimissime qu'on n'a jamais revu, je ne sais pas pourquoi, qui est photographe. Elle est en train de faire elle est comédienne dans ce film. Et elle est dans la merde. Et elle a plus de sous. Vraiment, elle va mal. Elle est en pleine désespérance. Et elle accepte un film de merde pour 3,50 francs, juste sûrement pour payer son loyer. Et elle a une scène de nu. Et elle est... À un moment donné, elle fait son boulot. Elle a des faucilles noires, elle est maquillée au charbon, elle a du rouge à lèvres rouge. C'est pas elle, quoi, c'est quelqu'un d'autre. Et à un moment, elle se voit dans le regard de ce photographe. Elle entend clic, elle entend le clic de l'objectif. Elle se retourne, elle est face caméra. Elle lui fait pas de photo, s'il vous plaît, pas de photo. Mais elle ne parle pas, elle fait juste. Alors là, déjà, je ne vous dis pas, vous êtes... Bon, pour peu que vous soyez comédienne, vous êtes... ça vous prend là, ça monte. Et ce qui est très beau, et c'est un film d'homme, donc c'est ça qui est très touchant, c'est qu'un plan sur cet homme qui est photographe derrière son objectif, qui baisse son appareil, qui la regarde et qui ne comprend absolument pas, et en même temps, qui comprend tout en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, il voit dans ses yeux... Et ce métier de photographe, qui est un métier que j'aborde, moi, qui est d'une violence terrible, là, est mis en exergue comme ça. C'est cet objectif, c'est quand il se ferme et qu'il s'ouvre. Et elle ne veut pas qu'on la voie comme ça. Et elle essaye finalement de lui faire comprendre qu'elle mérite mieux que ce personnage, qu'elle sait faire bien mieux que ça. Et que si vraiment il y avait une photo à faire d'elle, ce serait dans un autre film ou sur un autre tournage. Il y a cette larme de rimmel noir qui coule, qui est
tout à fait vrai. C'est-à-dire, c'est pas juste du rimmel noir, vous voyez, quand, parce qu'il y a des acteurs qui trafiquent les larmes. Mmh. Elle est déchirée dans cette scène. Elle est déchirée et donc elle est déchirante. Et elle est d'une vérité, d'une véracité, d'une justesse qui, moi, m'a marquée pour toute la vie. Cette femme, cette actrice est un exemple. Elle vivait les choses de l'intérieur, comme ça. Et alors, ce qui est très mignon dans tout ça, c'est que... Parce que je vais arrêter, parce que sinon je vais faire pleurer tout le monde. Parce que je peux en parler pendant des heures et je vais vous saouler. C'est que plein de fois dans mes films, en tout cas de productrices, où je m'investis énormément, puisque chaque sujet, je le porte pendant 2 ans, etc. J'ai pensé à cette scène et à elle. Et il y a des gens qui sont venus me voir. Donc, ce n'est pas des journalistes. Ce ne sont pas des amis. C'est quand je me promène dans la rue. Oui. Ils m'ont dit, comment vous faites? Vous m'avez fait pleurer. Je t'ai déchirée hier en voyant ce film. Mais comment vous faites? Et en fait, je ne sais pas faire autrement que de vivre les choses tellement fort quand je joue que je suis bouleversée et que donc, obligatoirement, c'est sincère. Il y a effectivement une technique chez les comédiens que je n'ai jamais réussi à pratiquer. Parce que pour pleurer? Jamais, jamais. Donc je suis obligée de me rendre malade, de me mettre dans... Je fais marcher des trucs. Et je suis démolie. Et moi, quand la journée est finie, je vais me coucher. Je suis une loque. Et puis, il y a des acteurs, vous savez, à la fin de la séquence qui... alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir à la cantine? Oui, et parce que c'est pas... Parce que, voilà, et je dis pas que c'est moins bien. J'aimerais être comme ça, parce que je souffrirais moins, donc je les envie quelque part. C'est une autre manière de faire. C'est une autre façon de travailler. Alors, pour terminer sur Romy Schneider, je ne sais pas si vous êtes au courant, Corinne Touzet, qu'un film va sortir sur sa vie. Ah non. En 2008, ils avaient pensé à Marion Cotillard, à Vanessa Paradis et à Sarah Biasini, la propre fille de Romy Schneider. Et finalement, c'est une actrice allemande, Maria Brümmer, qui va, pour sa ressemblance avec Romy, qui va interpréter le rôle. Vous guetterez ça. Oh là là. Et nous, avec vous. Pour terminer l'émission, je vous propose une série de petites questions. Vous essayez d'y répondre comme vous pouvez. Quel est le livre qui compte dans votre vie et que normalement vous avez emporté en plateau? Ah oui, alors j'en ai beaucoup des livres qui comptent dans ma vie. Il a fallu que je choisisse. Hein. C'est dur. Hein. C'est affreux. C'était affreux parce que je les ai tous. Alors finalement, j'ai pris le plus petit. Vous voyez, il est tout fin. Et c'est, parce que je le découvre donc, aussi. Donc il s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Et c'est Stig Dagerman qui l'a écrit. Donc, qui est d'origine suédoise. D'accord. Ce livre m'a été offert par une femme metteur en scène qui s'appelle Mikaela Vato, qui est suédoise d'origine, avec qui j'ai fait la série pour France 2 à La Réunion l'année dernière. Et je crois que vous voulez que je vous lise un passage. Ben, j'aimerais bien, tant qu'à faire. Alors, c'est terrible parce que, vous voyez, il est tout petit et toutes les pages, c'est de l'or. Hein. Alors, ça a été affreux, je vous ai choisi un extrait. Donc j'y vais alors, c'est ça? Bon. Je peux remplir toutes mes pages blanches avec les plus belles combinaisons de mots que puisse imaginer mon cerveau. Étant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seule sur la terre, je rassemble tous ces mots en un livre et je l'offre au monde. En retour, celui-ci me donne la richesse, la gloire et le silence. Mais que puis-je bien faire de cet argent? Et quel plaisir puis-je prendre à contribuer au progrès de la littérature? Je ne désire que ce que je n'aurai pas. Confirmation de ce que mes mots ont touché le cœur du monde. Que devient alors mon talent, si ce n'est une consolation pour le fait que je suis seule? Mais quelle épouvantable consolation qui me fait simplement ressentir ma solitude 5 fois plus fort. Je peux voir la liberté incarnée dans un animal qui traverse rapidement une clairière et entendre une voix qui chuchote « Vis simplement, prends ce que tu désires et n'aie pas peur des lois ». Mais qu'est-ce que ce bon conseil si ce n'est une consolation pour le fait que la liberté n'existe pas? Et quelle impitoyable consolation pour celui qui s'avise que l'être humain doit mettre des millions d'années à devenir un lézard. Ah oui, c'est chargé de chance, de sens, pardon. C'est pas beau, ça. En quoi ça, là, vous, ça résonne? Il n'y a que 20 lignes, hein, c'est sublime. C'est un anarchiste, un journaliste anarchiste. En quoi ça résonne en vous? Enfin, qu'est-ce que ça éveille chez vous? Ben là, ça parle de la solitude, parce que je pense que je suis quelqu'un de très, très solitaire, très sauvage. J'en ai pas l'air, je sais, mais je le suis vraiment. La solitude de l'artiste, la solitude des gens connus. Mmh. Romy Schneider était quelqu'un d'adoré, d'idolâtré, mais très seule. Sinon, elle ne serait pas morte comme elle est morte.
Et en même temps de l'illusion, de l'illusoire. C'est-à-dire que ce qu'on fait ne sert à rien. C'est juste un passage comme ça sur la Terre. Quand un acteur ne tourne pas, il n'est rien, il n'existe pas. Quand vous arrivez dans des dîners, même. Il n'existe pas en tant qu'acteur, attention. Oui, mais oui. Bien entendu, vous avez bien fait de me reprendre. Mais dans la tête des gens, qu'est-ce que tu fais en ce moment si tant est, ce n'est pas de moi que je parle, mais. Que les acteurs sont en grande difficulté en ce moment et de pire en pire chaque année. Qu'est-ce que tu tournes ? Je ne tourne pas. De quoi parle-t-on ? On va parler d'autre chose. Mais vous voyez, j'ai en moi constamment ce sentiment du vide. Voilà. Et dans ce livre, il en parle très très bien. Est-ce que vous avez un rêve inachevé ? Un rêve personnel ou un vrai rêve ? Un rêve personnel. Des rêves inachevés toutes les nuits. Un seul, en quelques mots, un seul, non ? Enfin, si j'en avais un, j'en parlerais pas ici. D'accord. Je respecte totalement. Qu'est-ce que réussir sa vie ? Ce serait arriver à aimer et à être aimé. C'est un objectif pour l'instant. Non, pourquoi ? Ah, c'est une réalité, d'accord. Non, vous me dites, moi, c'est ce que je pense. D'accord. Arriver à aimer, mais c'est pas essayer, c'est arriver à aimer, à être aimé. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Corinne Touzet, l'émission se termine. Faites un vœu. D'arriver à accepter d'être heureuse. Bah écoutez, c'est compliqué. Hein. Oui, on voit bien la complexité du personnage, mais en même temps, c'est un très beau vœu. Donc, je le formule avec vous et pour vous. Je crois qu'on vous aura vraiment découvert d'une manière différente et inattendue dans cette émission. Et puis, je vous souhaite quand même aussi d'aller loin avec cette association Un regard, un enfant, et puis d'aller loin dans vos projets professionnels et personnels. J'espère. C'est moi qui vous remercie. Très bonne continuation à vous, Corinne Touzet. Merci. Au revoir. Au revoir.